Bienvenue au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Welcome to the International Red Cross and Red Crescent Museum. Au printemps 2021, nous avons ouvert l'exposition Concernés, qui présente 30 artistes face aux questions humanitaires. In parallel, we organized an international online symposium to try to explore the relationship between art and humanity. Through the exhibition, as much as through the symposium, we try to engage the conversation with you. We understand the museum as a place of memory and a very diverse and welcoming forum for debate and creativity on humanitarian action and principles. For many people, especially in this very privileged context in peaceful Geneva, humanitarian action can seem like something you hear about on television, through social media, in your newspaper, and it might not actually connect directly with who you are, or you might not think it has something to do with you. It stays far away somehow, and it happens to others. But fundamentally, when you think about it, humanitarian action and principles are deeply rooted in embodied experiences which we can all relate to. And the question of how we decide to live together is at the center of our preoccupations right now, even more so in a time of crisis, which we all know through COVID-19. So these questions are at the heart of our activity here at the museum. And in order to reflect upon them with our visitors, we invite a great diversity of communities, of different experts from different fields to enter into a very creative dialogue and to learn from one another, picking up the challenge of collective intelligence. En fait, les artistes, on peut considérer en fait qu'ils ont une sorte d'hypersensibilité au monde. C'est des capteurs. Ils captent très très vite en fait ce qui se passe. Donc ils vont dans leur travail faire apparaître des choses que nous, en tant qu'êtres humains lambda, on ressent, mais qu'on ne rend pas nécessairement visible ou lisible. Donc par exemple, il y a des travaux qui parlent de la peur, qui parlent de la peur du voisin, qui parlent de la peur, on parlait du clonage, de l'intégrité corporelle, d'autres qui vont parler de la douleur ou de la vulnérabilité, des questionnements qui vont être de tout ordre, mais qui souvent n'ont pas de forme en fait. C'est une possibilité d'être très empathique. Et l'empathie, on sait que sur le terrain humanitaire, c'est une sorte de principe de base. C'est-à-dire qu'on doit aussi comprendre, savoir se mettre à la place de l'autre, être au service aussi d'une situation. Et ils ont cette capacité à comprendre la vulnérabilité d'autrui. C'est quelque chose qui est propre aux artistes, mais qui est aussi propre à toutes les actrices et les acteurs du terrain humanitaire. Artistes et humanitaires travaillent assez fréquemment ensemble sur le terrain, sur des questions de prévention, de sensibilisation ou pour illustrer des questions complexes. Je pense par exemple à du théâtre participatif pour prévenir les violences sexuelles. Mais les artistes aussi nous permettent d'anticiper des questions, l'usage par exemple de l'intelligence artificielle dans les conflits. Un des exemples par rapport à cette question d'anticipation, c'est la manière de pouvoir faire ressentir aux personnes des situations un peu intangibles. Comment est-ce qu'on se retrouve la cible d'un drone, par exemple? Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller un stade plus loin, d'établir une vraie relation entre artistes et humanitaires de manière à ce que ça soit un lien naturel et simple d'échange et qui permette tant aux humanitaires qu'aux artistes de grandir et de proposer des œuvres ou des installations beaucoup plus fortes. Les visiteurs et les visiteuses nous ont posé des centaines de questions. Par exemple, comment pouvons-nous agir au quotidien afin de changer le monde à notre échelle? Ou une
une autre question. What is patriarchy? So now that the exhibition is still on, we are taking the time to ask historians, humanitarians, activists, philosophers to provide their answers to your questions. Stay tuned.